Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va être sur une Istune, une Type 5 pour une Nissan Micra, donc c'est plutôt rare. Donc chose qu'on va devoir faire, donc on a déjà dégraissé, il va falloir enlever toutes les soudures qui sont là. Pour pouvoir remettre la barrette ici, à cet endroit-là. Et après, la Nistune Type 5, donc une board, elle se présente comme ça, elle va venir ici. Alors, première chose à faire, ça va être de dessouder toutes les bandes qui sont là. Donc, il faut la pompe à dessouder. Et après c'est simple, donc on met dessus, on attend que ça chauffe un peu. Hop là. Et voilà. Donc on met un petit coup de spray. Pour nettoyer. Et maintenant qu'on est tout prêt, on va pouvoir mettre la barrette. Donc la barrette, elle, c'est tout bête, elle vient hop ici, hop hop. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, il faut tout simplement tout ressouder. Une fois que c'est bon, vous faites un autocontrôle, voir qu'il n'y en a pas qui se touche. Et voir que tout est bien soudé. Donc là, c'est parfait. Ensuite, deuxième partie, il va falloir dessouder. Donc c'est pour une Nissan Micra K11, hein, je précise bien. Parce que selon les modèles, si c'est une S14 atmosphérique, c'est pareil, ça ne sera pas les mêmes jumpers. Donc là, pour la Nissan Micra, il va falloir hop, ce jumper-là qui est en 6J22, le passer en 6J21. Donc le CJ22, le passer en CJ21. Donc il faut bien faire attention en le dessoudant parce que c'est vraiment tout petit et il faut une pince à épiler. Thank you.
Donc on va la chauffer de ce côté. Avec une pince à épiler gentiment. Donc vraiment très attention à ne pas le perdre. Hein. Et voilà, et ensuite, pour la micra, il faut déplacer, donc après avoir fait le CJ22, le déplacer sur le 11, il va falloir déplacer tout cela, donc R10, R11, les placer là et là, donc on a juste à les mettre en face légèrement décalé, et le R14, R15 et R16, donc on les remet ici, ici, et ici, non, ici, ici, ici. Il faut qu'on ait entre les deux là, qui vont venir là, et les autres, il faut qu'on ait deux écarts. Donc, tac, tac, tac. Donc c'est là où il faut être super minutieux. Bon, je reprends à la main, j'ai dû prendre la loupe parce que j'utilisais la loupe pour poser le téléphone. Donc maintenant que tout est soudé, il ne faut pas simplement poser la board, il va falloir la programmer. Donc pour la programmer, j'essaie de faire la mise au point. Il faut que rien ne soit soudé ici et il va falloir souder le PGM. Maintenant que le PGM est soudé, il est là, les autres sont tous bien libres, on le place sur le programmateur et ensuite avec le logiciel Mistune, eh ben, on va aller chercher donc type 5, open, et on va chercher notre référence de calculateur. Donc pour le nôtre, c'est un 99B60. 99B60, il est là, Nissan Micra K11. C'est un 13DE automatique. Hop, on va faire programme. Et il va tout faire tout seul. Ensuite, on va le remettre avec les soudures et on se retrouve tout de suite. Alors maintenant que c'est fini, vérif complète, ok. On relève de sur le support. Est-ce que je peux reposer le téléphone sans tout faire choir? Oui. On remet le fer à chauffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le PGM. Voilà. Et on va venir souder tous les autres, du J1 jusqu'au J8. On va faire des pontées.
Les petits globes. Merde, dans le bon sens, c'est ce qu'on a. Et voilà. Donc ils sont tout bien mis. Ce qu'il faut faire impérativement, c'est écrire sur la board ce qu'on a gravé. Donc là, c'est une 99B60. Et ensuite, on n'a plus qu'à reprendre la borne NIST, la calculateur d'origine, pardon, venir positionner la NIST une dessus, et voilà, on n'a plus qu'à tout remonter sur le calculateur, et c'est tout bon. N'oubliez pas, il faudra installer ça pour éviter qu'elle se sauve, donc au-dessus, ou faut idéalement par là, que le calculateur vienne appuyer dessus, le capot. Le capot vient comme ça. Hop. Parce qu'avec les vibrations, ça ne vient pas la faire sortir. Hop. PGM, il est bien dessoudé. On regarde quand même au micro. Il est bon, tout est bien soudé. On met ça. Hop. Ici, et on n'a plus qu'à tout rassembler. Voilà, on remet le fond. Alors, ne le faites pas si vous ne vous sentez pas de le faire. Faites appel à quelqu'un qui a du matériel pour souder et qui a l'habitude. Voilà, au revoir.